Tante Céode et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera le process donc pour réaliser cet agenda avec les fichiers imprimables et les fichiers de découpe. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Maintenant que j'ai fini de faire les intercalaires, alors là vous allez voir par rapport au reflet, je n'ai cette fois-ci plastifié que les bords, c'est-à-dire les onglets et l'endroit où il y a les perforations. Donc je vous montre les intercalaires. J'ai commencé par imprimer le verso. Donc j'ai fait trois fois chaque verso parce que vous avez quatre versos différents. Alors moi, par contre, vous allez voir, j'ai des marques blanches. C'est parce que je n'ai pas mis mon papier droit dans mon imprimante. Donc j'ai rectifié le fichier. Il est plus grand de manière que même si vous faites la même erreur que moi, ce n'est pas tout à fait droit. Vous n'aurez pas ce souci de marge en biais. Vous voyez? Là, il y en a et là, il n'y en a plus. Là, il y en a, là, il n'y en a plus. Là, il y en a et là, il n'y en a plus. Parce qu'en fait, ma feuille était légèrement biaisée. C'est pour ça que je vous ai mis un fichier plus grand. Et ensuite, j'ai remis les feuilles dans mon imprimante. J'ai ouvert mon logiciel Silhouette et j'ai imprimé à chaque fois, avec les repères de découpe, les intercalaires. Ensuite, une fois que c'est imprimé, j'ai commencé par mettre du recouvre-livre repositionnable de chaque côté. Et ensuite, j'ai envoyé à la découpe. Donc vous avez vu la vidéo en rapide tout à l'heure, mais c'est exactement le même système que j'ai fait pour l'agenda A5 Vintage pour les intercalaires, sauf que la dernière fois, j'avais entièrement recouvert. Là, ce n'est pas le cas, je n'ai fait que les bords. Donc, voici la première. Donc moi, je n'ai rien mis, j'ai plastifié parce que je préfère comme ceci, mais vous pouvez très bien écrire quelque chose avant de le mettre ou même l'écrire avec la silhouette, c'est comme vous le souhaitez. Donc il y a deux fois 6 intercalaires pour faire les 12 mois. Et vous pouvez n'en faire que 6 en fonction de vos besoins, si vous ne faites pas mensuel par exemple. Et la dernière intercalaire. Alors maintenant que ceci est fait, je vais faire la couverture en couverture plastifiée, comme ceci. Tout simplement avec la plastifieuse. Vous pouvez faire avec du recouvre-livre, faire comme vous voulez. C'est au choix, vous n'êtes pas obligé non plus de la faire. De la plastifier, je veux dire. Donc, vous imprimez les versos, par exemple. Ça, c'est les dos de couverture à l'intérieur. Et ça, c'est les dos de couverture à l'extérieur. Quand je dis intérieur-extérieur, alors ça, c'est les extérieurs. Et là, on a l'intérieur. Après, libre à vous de les mettre comme vous le souhaitez. Les versos sont plus grands, donc ce n'est pas de ce côté qu'on va prendre les repères pour la découpe tout à l'heure. Ici, nous avons la taille réelle qui correspond donc aux intercalaires. Voilà, et la couverture sera légèrement plus grande car elle sera plastifiée. Voilà, par exemple, j'ai une chute de mon papier que j'ai imprimé tout à l'heure pour faire les intercalaires. Donc j'avais imprimé le verso et ensuite j'avais fait ça avec le logiciel Silhouette de ce côté-là. Donc j'ai déjà allumé ma plastifieuse. Avant de plastifier, je vais découper aux bonnes dimensions. Si vous voulez faire une marge blanche de ce côté, vous pouvez aussi, elle ne sera pas de ce côté. Mais ça me permettra d'avoir encore quelque chose de plus grand si vous le souhaitez. Donc, je découpe bien de ce côté, car vous allez voir,
l'autre côté, il est plus grand. C'est exprès au cas où, pas comme tout à l'heure, si j'avais mis ma feuille un peu en biais dans l'imprimante. Alors, si on me le demande, alors je ne sais pas si vous avez, mais c'est la Walnut Stain que j'ai utilisée pour ancrer les bords. Alors, j'ai bien sûr mis ma plastifieuse à chauffer. Maintenant, je vais prendre une feuille plastique. Voici le résultat. J'aurais pu aussi utiliser celle-ci pour devant. Et je fais bien sûr la même chose avec l'autre. Moi, pour essayer de faire la même chose partout, je prends le repère. Ça correspond plus ou moins à la première ligne ici. Donc, on va dire un demi centimètre. C'est ce que je vais faire tout autour. Donc, je cale le papier sur la première ligne et je viens découper. Si je jette pas, ça peut toujours servir quand on a besoin de pour les pochettes par exemple de rhodoïdes, d'acétate. J'utilise ceci. Je jette jamais. Et voilà, maintenant que j'ai imprimé et fait donc tout ceci, donc par rapport au process, vous avez vu que j'ai changer mes anneaux car ils me manquent et comme ça je les retrouve plus, donc j'ai mis les petits. Ils sont un peu petits, ce serait mieux d'avoir la taille au dessus mais j'attends d'avoir ma commande. Donc pour le moment je n'ai pas mis plus de fiches à l'intérieur, donc vous verrez la présentation. Alors je ne sais pas si je l'aurais mise avant ou après, mais en tout cas la présentation est également sur la chaîne. En plus du pack ici, il y a comme d'habitude, comme j'ai fait pour l'agenda, un pack pochette. Alors pour le pack pochette, il y a les découpes silhouettes de la base. Bien sûr, vous pouvez utiliser directement un papier comme ceci si vous souhaitez. Alors, il y a les découpes des bases, donc la base avec les perforations, la perforation et aussi la pochette comme ceci. Voilà, avec les plis. Moi, j'en ai coupé, je crois, 3. Et il y a donc pour ceci les papiers de collection qui vont avec. Donc il y en a deux, il y a celui-ci et celui-ci. Pareil, disponible aussi en print and cut. Où, vous voyez, comme j'ai fait ici, je vais découper simplement au ciseau. Je vais ancrer les bords. Alors si vous n'avez pas la découpe, si vous n'avez pas les machines silhouette ou autre, parce qu'il y a aussi les fichiers SVG pour les bases, comme ceci, vous avez les dimensions qui vous sont données de la page. Donc c'est une page classique et vous pouvez après découper avec les fameux outils. Si vous n'avez pas les fameuses pinces, vous pouvez très bien utiliser une perforatrice de bureau. Vous faites un trou et vous enlevez un petit peu et ça peut très bien faire l'affaire également. Voilà. Vous voyez, ça marche très bien. Il suffit de calculer là où vous allez faire vos trous et après vous faites toujours la même chose. Vous avez aussi les fichiers, vous voyez, pour mettre sur les pochettes.
là, c'est simplement à venir coller sur nos pochettes. Alors, on colle la base et les pochettes. Alors, je n'ai pas plastifié le bord comme j'avais fait pour les intercalaires. J'ai simplement oublié, mais vous pouvez aussi le faire si vous le souhaitez. Les pochettes, vous pouvez en mettre deux sur une page si c'est pour mettre des petits éléments à l'intérieur, ou alors une seule, c'est comme vous le souhaitez. Il y a aussi d'autres pochettes dans le même style que j'ai fait pour l'agenda vintage. Avec cette forme-là, mais sans le fait qu'elle soit ajourée. Donc il y a la petite pochette soufflée avec le design. Donc c'est directement avec un papier imprimé que vous pouvez coller sur cette base-là. Il y a aussi la pochette à souffler avec ses perforations à elle. Ici, vous voyez, j'ai fait le renfort avec le recouvre-livre. Et ensuite, on peut la glisser à l'intérieur, soit tout en bas, soit tout en haut. Et mettre les aimants et mettre les papiers exactement comme j'avais fait dans le vintage. Hop. Ici. Avec une fente aussi. Et cette fois-ci, pour le Alice Planner, il y a trois designs différents. Donc, vous pouvez faire trois pochettes différentes. Donc là, je ne vais pas la faire parce que mes anneaux sont vraiment pas assez, assez grands. J'aurais préféré cela. Donc là, je ne voudrais pas mettre trop de choses pour le moment. Mais sachez que c'est en boutique. Hop. Aussi ces pochettes, si vous le souhaitez, vous pouvez les coller au dos des intercalaires. Je vais le faire là pour vous montrer. Et c'est pareil, les autres pochettes, vous pouvez aussi. Il n'y a pas de cardstock par contre, c'est directement avec le papier imprimé. Vous pouvez les coller directement au dos d'une intercalaire, sur une page, c'est comme vous voulez. Là, il n'y en a qu'une. Voilà. Mes anneaux, vous voyez, c'est un peu juste. Il faudrait la taille au-dessus. J'espère que cette vidéo planeur vous aura plu. Ce nouveau format, j'espère qu'il vous plaît. Il m'a été demandé. J'espère que vous serez au rendez-vous et que vous aimerez. Et sachez qu'il y a aussi le Happy Planner Vintage, donc avec ces illustrations-là, qui est aussi disponible en Happy Planner, mais il n'y a pas les intercalaires en acétate. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, de laisser un petit commentaire. Ça me fait très plaisir de les lire et d'y répondre. Je vous dis à bientôt. Bye bye !